question que je finisse au sol comme une tertière. Il nous écrase comme des mouches. Mais d'où il sort ce type? Vous voulez pas finir comme ça, à moins que vous aimiez bouffer à la paille. Pas question que ce fumier élimine un autre flic. Trouvez ce monstre! Ouais, un autre tuyau a dû exploser. Je serais bien allé jeter un œil, mais tu vois, j'ai fini ma tournée. Lob, comprenez. Le problème, c'est que Gordon se la joue solo. Ouais, comment il veut qu'on survive avec un salaire de flic? Quelqu'un devrait lui botter le bras, histoire de lui montrer comment ça marche à Gotham. Je veux bien être volontaire. Ça va pas être facile, mais si je veux accéder à la base de données nationale des criminels et découvrir ce qui s'est passé au Lacey Towers, il faut que je trouve la salle du serveur, sans me faire repérer. Des criminels les plus dangereux. Rien de moins. Après avoir interrogé Wellon Jones, nous avons appris qu'ils s'affrontaient tous pour une énorme prime que Black Mask a mise sur la tête de Batman. Ouais, ils étaient censés garder une scène de crime, pas discuter. Pas étonnant que Batman ait pu les attaquer. Dites-leur de garder l'œil ouvert la prochaine fois. D'accord, bon. Allez regarder et faites votre rapport. Monsieur, ce sont des employés municipaux. Ils sont tous corrompus, et ils me bloquent la route. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette approche, monsieur. Vous ignorez quand vous pourriez avoir besoin de leur aide. Quoi qu'il en soit, votre objectif est la salle du serveur du GCPD. Je l'ai indiqué sur votre carte. Déteste les clodos.
Le pote. Attends, s'il te plaît. Je ne pourrai pas ouvrir des portes comme ça avec mon séquenceur cryptographique. Je dois trouver un autre moyen. Je n'ai aucune chance contre tous ces hommes armés. Je peux utiliser la griffe de Deathstroke à distance, pour passer au-dessus de leur tête sans me faire voir. D'accord, écoute-moi. Pendant que vous jouiez les nettoyeurs à Black Gate, c'est tout. J'étais en train de faire de l'argent. J'ai plus à marcher avec votre pote Black Mask. Si l'un de nous coupe les Batman avant que ces assassins la taillent, on aura la prime. 50 000 euros. Pour ceux d'entre vous qui sont pas très doués en maths, ça veut dire retraite anticipée. Cool. Ça fait une jolie somme. Alors on va lui faire la peau. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Ça suffit! On n'a qu'une seule nuit pour agir. Alors, quelle que soit la mission qu'on vous donne ce soir, je veux que vous l'oubliez. Votre priorité, c'est de trouver Batman et de le tuer. Clair? Oui, chef! Très clair. Clair comme de l'eau de roche, chef. C'est parti! Chef! Aux ordres! Chef! Des questions? Je vous écoute. Comment on va pouvoir cacher ça à Gordon et au reste des gens? Pour commencer, il va falloir fermer votre grande gueule. Chef, et les assassins, ils vont pas nous prendre pour des concurrents? Ouais. J'ai pas signé pour venir la cible de ce type. Écoutez, vous avez accepté de risquer votre vie en rejoignant SWAT. Maintenant, si vous voulez vous faire du fric, il va falloir prendre d'autres risques. C'est comme ça que ça marche. Ceux qui veulent partir peuvent rendre leur insigne. C'est ce que je pensais. On peut y aller? Attendez, Brandon. Comment on sait que Black Mask respectera sa part du contrat si on tue Batman? Il nous filera l'argent, crois-moi. En plus, je sais où il le planque. Si vous savez où il planque le fric, pourquoi on va pas le chercher? Parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une guerre avec Black Mask et ses hommes. Allez les gars, on y va. Si je ne fais pas attention, ce garde va alerter les autres. Alors on va le traiter comme n'importe quelle ordure. Si on trouve pas de saloperie sur lui, on l'en fabrique. C'est cool. Et si le capitaine Gordon autorisait les détenus des cellules à se balader? Tu veux dire qu'on doit les libérer? Petite émeute carcérale, ici, au GCPD. Ça montrera qu'il n'a pas le contrôle, pas vrai? Ça me plaît. Mais comment on fait ça? Laisse-moi réfléchir un peu. T'as trouvé quelque chose? Réfléchis encore. Le central vient de nous prévenir. On va... Alors, qu'est-ce qu'il peut faire exactement, ton brouilleur? Un peu de ceci, un peu de cela.
Mais la plupart du temps, ce qu'il fait, ça n'est franchement pas tes oignons. Oh, c'est comme ça que tu le prends. D'accord. J'ai peut-être demandé au type qui bosse au scellé d'y jeter un coup d'œil. Mais ils peuvent être un peu brutaux. J'espère qu'il n'est pas fragile. Tu veux compliquer les choses, mon pote? Et si je parlais à mon cousin à la Gazette de tout l'argent que vous extorquez aux pingouins et à ses semblables? Un as comme toi a un cousin à la Gazette. Et tu penses que je vais te croire? Et moi, je te vois pas appeler les scellés, pas vrai? Les poulets, vous êtes tous les mêmes. Vous obtiendrez rien de moi. Comme je disais, j'ai toute la nuit. Moi aussi, mon pote. Toi. Parle, ou tu ne pourras bientôt plus marcher. Jamais. Ah! Tu vas devoir expliquer pourquoi tu m'as balancé de ce toit, vieux. Non, c'est toi qui vas devoir t'expliquer. Comment marche ce brouilleur? Demande à un des poulets, il est dans le local décelé. Et si on allait faire une petite balade sur le toit? D'accord, t'as gagné. Il brouille les armes, et il ouvre les verrous électroniques, d'accord? Bon, tu vas me lâcher, hein? J'hésite encore à te lâcher, mon cher. Commencez par toi. Elle est bonne. On se bouge. Allez-vous mettre dans un abri. Vous rigolez? C'est là qu'ils nous rassemblent. Vous ne comprenez pas. Anarchy a tout compris, mais vous, vous ne comprenez rien.
Tu m'entends ou quoi? Je me fiche de tout ce qui se passe. Il faut que je m'occupe de ce problème. Si je donne pas ce qu'il veut à ces tortures, il enverra la cassette à la presse. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est ce que t'as de mieux? Comment je peux le buter si je sais pas à quoi il ressemble? Ce type est un mystère, c'est une putain d'énigme. Ouais, ben, super conseil, merci. Alerte de niveau 1. Attention à tout le personnel. 211 signalé dans le secteur. 1022 sur les lieux. Je répète, alerte de niveau 1. Intrus dans le bâtiment. Il est sorti à part des criminels que tu laisses en liberté. C'est un criminel de la pire espèce. De celle qui pense que ses actions sont justifiées. Mais qui agit complètement en dehors du système. Tu vois pas, le système est fichu. Barbara, attends. Batman est dans le bâtiment. Vous me nettoyez cette pièce, vous finirez tous à la circulation. Avec la mort de Lob, va falloir tout redéfinir. La ville sera plus la même dès demain matin. L'année prochaine, je passerai inspecteur. Hé, wow ! C'était qui ? Faut aller voir ce qui se passe. Quelqu'un a balancé ce truc. Vous aimiez bouffer à la paille. Il est là quelque part. Je veux qu'on fouille tous les secteurs. Surveillez vos arrières, laissez pas ce fumier vous surprendre. Donc ça, allez! Voilà. Pas mort, ça va pas tarder. Je vais l'exploser!
pas te perdre. Écoutez les gars, je compte sur vous. Liquidez Batman pour qu'on récupère la prime. Quel genre de taré peut s'attaquer au IGCPD et gagner? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Batman? Hein? Tu veux mourir? Hein? Je t'attends! Qui est là? Chercher dans ton secteur? Ah, je vais laisser ça pour les gars du SWAT. Pourquoi ça? T'as pas entendu? Anden a fait un deal avec Black Mask. Ils essaient de tuer Batman pour récupérer la prime. Tu te moques de moi ou quoi? Gordon est au courant de ça? Sûrement, mais qu'est-ce qu'il peut faire, à ton avis? Ce serait déjà un miracle que Brandon et ses types l'écoutent un jour. Ce service est vraiment pourri. Comment on fait pour avoir la prime? En direct. Alerte de niveau 1 à tous les...